parce que les chemins, les routes, qui relient certains villages isolés, dans les montagnes, les jungles ou les déserts sont souvent en mauvais état ou inexistantes. Parce qu'il faut parfois plusieurs heures ou plusieurs jours pour acheminer un malade, un blessé jusqu'à l'hôpital le plus proche. Parce qu'il faut intervenir rapidement lors de catastrophes naturelles. Pour secourir des blessés, pour acheminer des médicaments, de la nourriture. Parce que le personnel des ONG, des missions, des églises locales a besoin de se déplacer fréquemment dans des zones étendues et peu accessibles. Parce que bénéficier de soins médicaux pour certaines populations isolées est très difficile. Les avions de la MAF apportent une aide et un soutien indispensables. Depuis plus de 60 ans, toutes les 3 minutes, un avion de la MAF décolle ou atterrit sur des pistes souvent rudimentaires dans des régions isolées du monde. Aujourd'hui, la MAF est implantée dans plus de 25 pays et exploite plus de 130 avions légers. Elle travaille en partenariat avec plus de 1000 ONG et œuvres missionnaires. Toutes les 3 minutes, un avion de la MAF part en mission pour acheminer rapidement un malade, un blessé jusqu'à un hôpital. Situé parfois à plusieurs heures ou plusieurs jours de marche. Le voyage en avion ne prend que quelques heures, tout au plus, et permet de sauver des vies. Pour transporter des médicaments, de la nourriture, du personnel médical, dans des régions touchées par des séismes, par des inondations, par la famine. Pour permettre au personnel d'ONG, de mission, d'église locale, de rejoindre rapidement et en toute sécurité ceux qu'ils aident et soutiennent. Pour transporter du matériel indispensable, pour améliorer les conditions de vie et de santé des populations qui vivent dans des régions bien souvent reculées. Pour permettre à des médecins, infirmières, de réaliser des tournées médicales au plus près des villages isolés, de faire bénéficier les populations locales d'une aide médicale indispensable et de contribuer à réduire la mortalité infantile. La MAF met également en œuvre des moyens de télécommunication modernes à la disposition des hôpitaux, des ONG, des missions dans des endroits reculés. Pour mener à bien sa mission, la MAF s'appuie sur l'engagement d'un personnel professionnel, qualifié et motivé par la compassion envers les autres. Près de 170 pilotes, mécaniciens, gestionnaires, comptables, ainsi que 400 personnels locaux travaillent sur l'une des 120 bases de la MAF dans le monde. Parce que tant d'hommes, de femmes et d'enfants isolés ont besoin de secours, d'aide, de soutien, les avions de la MAF constituent un moyen essentiel de survie. Les avions de la MAF survolent les jungles, les montagnes et les déserts afin d'amener à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants des soins médicaux, des secours d'urgence, de l'aide alimentaire, des moyens de développement et l'espérance chrétienne.